le député d'Ottawa Sud. Merci, Monsieur le Président. Et bonjour à vous. Après deux longues journées ici à la Chambre et deux longues nuits, le Parti libéral veut moderniser la loi sur le droit d'auteur de façon juste et équilibrée. Nous sommes aussi très préoccupés par les dispositions sur les verrous numériques. Je sais que mon collègue pourra me donner une bonne réponse, une réponse objective. Et voici ma question. En ce qui concerne la divulgation de câbles diplomatiques indiquant que le plan en matière de droit d'auteur a été aux États-Unis rédigé pour répondre aux intérêts des grandes sociétés. Bon, nous n'allons pas nous en prendre aux États-Unis, mais peut-être que le député, à l'intention des Canadiens qui suivent le débat, où sont les intérêts du Canada et où sont les intérêts des États-Unis dans ce dossier? Pourquoi le Parti conservateur s'est-il laissé influencer indûment par les intérêts américains?